Nous sommes présents aujourd'hui à ces assises pour tenter de comprendre ce que veulent les survivants des violences sexuelles et d'autres crimes graves commis en RDC. Car rien ne peut être fait pour eux sans eux. Nous devons donc travailler ensemble pour sécher leurs larmes et les aider à retrouver une dignité qui leur a été sauvagement arrachée. Ces viols massifs ont provoqué des conséquences très lourdes, tant sur les victimes que sur la société elle-même. Ces crimes ont laissé des traces physiques, psychologiques, sociales et sociétales sur les victimes qui ont fièrement décidé de s'appeler survivantes et survivants. La République démocratique du Congo subit depuis plus de deux décennies les affres des conflits armés qui drainent avec eux leur lot de désolation et de méfaits. La question de la responsabilité des crimes de violence sexuelle commis en République démocratique du Congo reste au centre des préoccupations majeures au niveau tant national qu'international. Ces réflexions ont permis au ministère des Droits humains, que je félicite en passant, d'initier deux projets de décret portant création, respectivement, du Fonds national de réparation et de la Commission nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, qui seront discutés lors de cette table ronde inclusive en vue de renforcer le contenu et, par-dessus tout, le dispositif de réparation à concevoir. J'invite chaque acteur impliqué à jouer pleinement et efficacement son rôle en formulant des stratégies innovantes en vue de la constitution d'un agenda commun assorti de solutions politiques acceptées qui aura pour but, notamment, de démontrer qu'il est encore possible de mettre en œuvre des mécanismes de réparation qui tiennent aussi compte de nos réalités socioculturelles.